Il est midi. Ça a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite au côté Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui apprend toute nouvelle. Quitte en Haïti, quitte le Bobo, la guéou dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Lancé SOS bon côté autorité la police dans l'idée pour prendre disposition pour empêcher individus à examiner dans vivre ensemble en bien rivé dans objectif yo dans une vidéo qui t'a vu qui cap circuler sur les réseaux sociaux hier dimanche bandi examen en bien tap exprimé contentement yo pour contrôle sur nous yo t'apprend mais d'après quelques habitants dans zone là yo démenti information ça habitants ça yo toutefois fait connait bandi vivre ensemble yo t'a avancé tout bon vrai dans l'idée pour être rivé en bien mettre contrôle sur sol hier dimanche là en pile famille t'est continué en bien courir quitter caillou avec l'autre zone qui tout près pour échapper sauver et en bas action criminelle bandi sa yo il y a une dizaine de bandits qui mourir dans échange coup de balle avec force l'audio pendant opération unité départementale médecine d'ordre Udmo OS2 mené dans la nuit samedi 19 au lever dimanche 20 octobre passé dans cité Doudou dans commune Croix des Bouquets il y a un fusil d'assaut modèle AK-47 avec l'autre matériel sensible force l'audio arrivé saisi d'après yon note PNH la fait sauter divers agents Udmo ont bien engagé depuis dans la nuit mercredi 16 pour arriver jeudi 17 octobre passé dans diverses opérations de la police dans la commune Croix des Bouquets avec Nataba dans l'idée pour mettre en bas code gang criminel Zayo qui a cherché à terroriser la population civile là toujours d'après un ben note ça police nationale l'a publié hier dimanche sur page Facebook li opération PNH poursuivre dans la commune Croix des Bouquets avec Nataba toujours d'après note là nouvelle démonstration nèg examyo c'est résultat ou bien conséquence inaction autorité en place qui pas j'en prend aucune disposition pour mettre bout dans action nèg exam sayo qui reprend confiance d'après ancien ministre justice Jean-Pierre Michel Brunache qui encouragé pour une nouvelle approche dans question sécurité publique par rapport avec augmentation nèg exam yo Pierre Michel Brunache était avec Michel Xavier bandi au senti que en situation de force bandi au senti que réponse que yo te peur, li va arriver. Yo te peur que, avec mise en place, nouveau gouvernement, avec volonté qui est affichée par le premier ministre et la présidence, que yo pral combattre bandi yo, que yo pral prendre yo kay par kay, quartier par quartier, eh bien, yo fini par rendre compte que c'était parole. Donc, maintenant, yo reprend force et yo reprend la rue. Si nous pas résoudre problème sécurité, eh bien, je dis à ces 80% de votre prince, nous perdu son poisson de je dis à mon tabac à quitter la caillou. Je dis à mon solino, il soit mal dormi. Avant hier, il y a un petit monde qui prend balle la caillou. Donc, c'est ça qui est priorité à c'est combattre l'insécurité à tout prix. Donc, même encore une fois, bon occasion pour me parler, m'a demandé autorité, yo, chita, ensemble, régler différents, nous sommes capables de dire qui est artificiel, qui est superficiel, évacuer rapidement et puis pour focus sur l'essentiel. L'essentiel là, c'est la sécurité et sécurité là, qui pourra amener nous à un processus électoral inclusif. Côté tout le monde capable de participer. Qui ça, d'après vous, qui expliquait que Badio de plus en plus confortable dans un moment côté autorité yo annoncé que yo pral permettre que yo travaille dans zone espace palais nous gagnons base l'armée d'Haïti à qui en bas sous champ de masse là alors que tout près à et puis roi sous bel air bandi a empêché population à dormir y a prend pied dans zone Solino. Eh bien c'est parce que nous te font mauvaise évaluation de la situation lorsque en octobre 2022 gouvernement Ariel Henry a le film fait diagnostic situation j'étais rendu compte que ni la police ni l'armée pas de moyens pour faire face à la situation là il te fait appel à une force multinationale robuste là c'est sous base d'une évaluation correcte qu'elle te fait c'est pas une évaluation politique et maintenant réponse que nous gagnons par rapport à Bandia, réponse est trop faible. Nous avons besoin d'une présence multinationale robuste. Problème insécurité, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème technique, c'est un problème de sécurité publique. Et faut nous gagner les moyens qu'il faut. C'est-à-dire les moyens, c'est-à-dire les fantassins, bien armés, bien équipés. Ce n'est pas seulement blindé de transport, etc. Non? Nous avons des gens qui sont capables de combattre avec Bandia parce que de jour en jour, il y a plus de soldats, il y a plus de monde. Et nous avons mal analysé le problème. Non?
Donc, les solutions que nous déposons sont trop faibles. Et c'est dans le contexte ça, l'autorité a annoncé que vous allez déloger par la justice qui était en bas sous Bicentenaire, qui vient prendre refuge par la lue. Vous allez le mettre dans l'espace, le plaza qui a déclaré utilité publique. Qui genre d'abord ou est démarche là et à qui sont pensés ça prend l'utile? Bon, pour moi, c'est moi qui prends une décision. Moi, c'est pour nous reconstruire par la justice, nous avons reconstruire le côté lié. C'est-à-dire dans la rue de la Réunion, derrière par les nationales. Mais puisque l'autorité a décidé que 100 mètres, 200 mètres, ça font différence, eh bien, nous dit allez-y. De toute façon, l'avocat a gagné 3-4 ans depuis qu'il n'y a pas de côté pour le travail. Donc, il a le temps pour le côté pour le travail. Si vous décidez que, après analyse que vous faites, dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt général et dans l'intérêt de la profession, que c'est le plaza qui a bon pour vous, que vous faites. Mais on suspend les diversités, on agit. Voilà, top côté déclaration, ancien ministre en justice, Pierre-Michel Bounache. Il y a un présumé bandit qui mourit le week-end passé à Naokai en Balode, commissaire gouvernement Miragouan, Jean-Ernest Muscadin, en bien qui accusé un présumé bandit ça comme monde qui a participé dans plusieurs actes assassinats. Hans Jean-Louis, pour plus de détails. Sous initiative regroupement citoyen engagé pour un nouveau Nipre Serene, plus passé yon centaine étudiants gradués dans ville Baradette 19 octobre 2024 la 18e cérémonie graduation sa fête dans cadre programme formation professionnelle métier c'est avenir selon coordonnateur Serene de la France qui encourager jeunes filles et jeunes garçons mettez métier dans tête yo pour gagner l'argent. Commissaire gouvernement Miragouan Jean-Ernest Muscadin touillé à coup de balle journée dimanche 20 octobre 2024 là yon présumé criminel dans centre-ville Okay sous boulevard 4 chemin tout près résidence privée commissaire gouvernement selon déclaration chef paquet Miragouan jeune garçon ça c'est un présumé à tout faire qui participait dans plusieurs actes assassinat dans ville là. N'ap souliye pour nous dire, sorti 17 octobre pour arriver dimanche 20 octobre 2024 là,